Engelse buren. Niet weglopen, allemaal blijven zitten en jullie zullen zien. Vierde, Jordy. Dans la piste maintenant des Irish Cobs. L'étalon Stonewall Norbert est présenté à la main. Il a 5 ans et il est approuvé à la montre pour l'Irish Cobs Society avec une première prime. C'était le meilleur étalon de 4 ans. Norbert est disponible pour les sailleurs, pour les saillies, chez l'élevage Hut Serkov. Dames en heren, in de piste de Irish Cobs. De dijkhengst Stonewall Norbert wordt aan de hand voortgebracht. Hij is 5 jaar oud en goedgekeurd voor dijkdienst bij de Irish Cobs Society met een eerste premie. Hij was tevens beste 4-jarige hengst. Norbert staat er liggen bij het Drieshof. Pour les talons, vous pouvez applaudir. C'est pour les joueurs que ce soit pour lui. Heel mooie hengst. Irish Cobs en Essen. De ene medejonger samen bereden wordt, heet Angel Snorremans van Germania. Zij is eveneens een STER en Champion smerrie. Angel is 1,45 meter groot en 9 jaar oud. De merrie met de zwarte staart is Dorina Snorremans van Germania. Dorina is verreweg de jongste van de groep met haar leeftijd van slechts 3 jaar. Ze is pas sinds kort onder het zadel beleerd en heeft hier haar showdebuut. La jument qui est montée sous la selle s'appelle Angel Snorremans van Germania. Elle est aussi un STER et champion. Elle fait 1,45 m. Et elle a 9 ans. L'autre jument montée sous la selle, celle avec la queue noire, s'appelle Dorina Snorremans van Germania. C'est la plus jeune du troupeau, elle n'a que 3 ans et vient d'être déboulée. C'est donc son premier spectacle. Irish Cobs est d'origine irlandaise et anglaise. L'origine de la race date du 16e siècle. Les chevaux des paysans irlandais étaient très voulus par les Anglais comme cheval de guerre. Parce que ces chevaux étaient forts, costauds et porteurs avec un bon mental. Les chevaux pis ne pouvaient pas être utilisés par l'armée, donc l'ennemi restait en Irlande et les paysans commençaient à aider les chevaux pis afin de ne pas perdre l'armée anglaise. À cause de la guerre, de la pauvreté et de la famine, les paysans irlandais étaient obligés de commencer à vivre comme des tziganes. L'Irish Cobs est donc reconnu comme un cheval tzigane. De Irish Cobs is een van de oorsprong Angelique Friese ras. Zoals de naam het al doet vermoeden, het ras kende vermoedelijk zijn ontstaan omstreeks 1500. Paarden uit Ierland gelden reeds eeuwen als goede, gezonde, stevige paarden. Om die reden waren deze Ierse paarden van goudsterren zeer gewild door oorlogsvoerende koningen uit de naastgelegen Engeland en Schotland. Want hun strijd was een groep, moest een compact gebouwd, taai, wendbaar en sterk zijn. Natuurlijk werden de Ierse boeren hier niet voor betaald en zij hadden dus niet veel op met die Engelse liefde voor hun paarden. Voor het Engelse leger ging de voorkeur uit naar donkergekleurde paarden en ze bleven op de paarden achter in Nederland. Door deze selectie, maar ook door het
feit dat de Ierse boeren selectief honte paarden gingen fokken en dat deze niet beslag genomen werden, ontstond de typische honte uitvoering van ons ras. L'Irish Cobs est une prestance formidable et ressemble vraiment à un cheval de verre. De longues figures superbes et de abondantes fardeaux sont typiques pour la race. Ce sont des chevaux compacts et costauds avec une encolure imposante, beaucoup d'eau et une petite tête très expansive. En plus, ils ont de jolies allures, bien que ce soit un cheval costaud et court. En lijkt wel een spuurspaard. De lange manen, dikke staart en wapperende sokken zijn eveneens een typerend kenmerk van het ras. Verder zijn ze compact gebouwd, met bij voorkeur een imposante hals, stevige beenwerk en een klein expressief hoofdje. Het belangrijk kenmerk van de kop is dat hij ondanks zijn gedrongen bouw verrassend soepel bewegingen heeft. Donc le studbook pour l'Irish Cobs est toujours ouvert, ça veut dire que chaque cheval a les critères caractéristiques d'un l'Irish Cobs est approuvé dans un studbook. Les chevaux sont partagés dans trois sections selon leur taille. La section C sont les petits jusqu'à 1,48 m. La section B est la moyenne de 1,49 m à 1,53 m. Et la section A sont les grands à partir de 1,54 m. Ne pensez pas que les tailles des autres chevaux. Ne pensez dans les tailles des autres chevaux à l'achat d'un Irish Cobs qui sont très porteurs. L'Irish Cobs est multifonctionnel et polyvalent. Dans toute branche de l'équitation, il y en a qui sont très doués en dressage et beaucoup sont des sauteurs naturels. Ce sont surtout des chevaux superbes pour faire des balades. Ça dépend donc un peu de ce que vous voulez en faire avec eux. Aan de lange lijn ziet u Tinkerbell Snorremans van Germania. Deze merrie is een prachtige, rastypische merrie die het sterpredicaat behaalt. Ze is inmiddels 15 jaar oud en is 1,51 meter groot. Het standpunt voor de Irish Cobs is een open standpunt. Dat wil zeggen dat elk paard dat de rastypische kenmerken van de Irish Cobs vertoont, kan opgenomen worden in het standpunt. Ook als de ouder dieren onbekend zijn. De paarden worden in drie secties onderverdeeld. Naar een lange schoolboom, sectie C, zijn de kleintjes tot 1,48 meter.
Fantastico, bravo!